les gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle semaine. On se retrouve sur YouTube, sur Facebook, sur Fortnite. Alors, tout bonnement, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire, à laisser un pouce bleu. Abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire, la cloche, comme ça vous savez ce que je pose. Et comme ça, voilà, abonnez-vous surtout. Si vous êtes intéressé, mon Discord est en lien de description, mon Facebook aussi. Et aujourd'hui, on part sur Fortnite. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé. Donc, on va aller sur Fortnite pour un mode, le mode solo. Le mode solo. La blague. Genre, il y a un autre mode aujourd'hui. Non, il n'y a qu'un mode solo. On est tout seul. Oui, tant pis. Alors, pour ceux qui seraient intéressés sur Fortnite, j'accepte les demandes. Donc, il faut juste me laisser un message sur YouTube pour me dire, voilà, j'ai tel pseudo. Je t'ai demandé un ami sur Fortnite. Et voilà. Et il faut que vous soyez abonné, bien sûr. Si je vois que vous n'êtes pas abonné, ça sert à rien. Je joue qu'avec des abonnés. J'accepte de jouer avec vous. Je vous le dis, comme ça, c'est fait. Donc la semaine dernière, j'ai fait pas beaucoup de vidéos, comme vous l'avez vu, il y a eu moins de rendement. Mais cette semaine, on retourne avec pas mal de rendement. Donc voilà, tournoi de mode. Ok, ça bug, comme d'hab. Fortnite qui bug. Oh, la blague. Putain. Oh là là, Fortnite. Qu'est-ce qu'on l'aime. Ah là là. Bon, bah j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé, parce que la semaine va être bien fraîche cette semaine, apparemment. J'espère que ceux qui sont coincés sous la neige, j'espère que tout va bien, parce qu'apparemment il y en a certains qui n'ont pas eu de bus. Et j'espère que pour ceux qui ont pu aller en cours, j'espère que les cours n'ont pas été trop chiants. Donc on va faire une game. On ira. Voilà. On va essayer de faire un petit top 1. Alors, il risque d'y avoir pas mal de bots. Parce que en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bots. Alors dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous. Mais c'est vrai qu'on a. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bots depuis un moment et ça fait bizarre en fait. J'ai pas regardé ce que j'avais en quête. Ouais, je pourrais aller à Lazy Lake pour faire sauter les poissons. Emote. Bon, on va aller à Lazy Lake. Pour ceux qui jouent encore à Fortnite ou quoi que ce soit, j'espère que pour vous c'est pas trop chiant. Dites-moi en commentaire comment vous pensez de cette saison. De cette saison, des personnages, du milieu. Parce que vu qu'on a quand même perdu l'autorité, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis voilà quoi. Il y en a un qui m'a suivi. Ah merde. Bon, en espérant quand même de faire un bon top. Je meurs pas dans les premiers temps quand même. Commencer à repérer, merci. Voilà. Je kiffe ce. Par contre, moi, je kiffe ce personnage. Moi, je l'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir en plus de ça qu'ils aient mis d'autres personnages comme ça.
Sur. Voyons, je passe du bleu au vert. Bon, ça serait bien que j'ai une rafale un minimum. Voyons. En plus, on est dans la zone. On est dans la zone, c'est bien. Impeccable. L'arbalète, on prend. Quelqu'un d'autre parce que coffre qui est ouvert. On ouvre le gros coffre. Ah, mais c'est pas possible. C'est quoi ce joueur là? Attends, mais il fait que du bleu! Ah, mais il lui reste combien de PV aussi? C'est pareil! Oh, c'est quand même bizarre quand même. Il y en a beaucoup qui. Il y en a beaucoup quand même qui sont comme ça. Hein. J'ai regardé pas mal de joueurs. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui trichent quand même pour cette saison. Hein. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est quand même aberrant que maintenant, dans un jeu comme ça, et je peux comprendre beaucoup de personnes qui. Alors on va dire, ouais, t'es sur, c'est sur Xbox, tu sais pas jouer, tatati, tatata. Écoutez, j'ai envie de vous dire, le niveau de chaque personne, moi je suis sur Xbox, il y en a qui sont sur PS4, il y en a sur Switch. Alors c'est vrai que sur Switch c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression, mais c'est vrai que quand je vois certaines personnes qui se foutent de la gueule de Xbox ou même de Switch, faut arrêter, faut arrêter. Au début c'est marrant, mais à la fin c'est plus marrant quoi. Sans déconner, clairement le niveau, voilà, quand vous atteignez à un niveau maintenant, la plupart faut savoir jouer. Faut savoir jouer, mais clairement, faut arrêter de vous foutre de la gueule des personnes, parce qu'un de ces jours, vous serez banni. Et je pense aux TikTokers qui font que ça. Hein, moi, j'en vois pas mal en ce moment sur TikTok. C'est oh bah tiens, il y a ça, il y a ça entre la politique et puis Fortnite ou autre. Hein, les recherches de petits copains ou de trucs comme ça. Sérieusement, TikTok, c'est pas. C'est pas un site de rencontre quoi. TikTok c'est un site comme toutes les comme Facebook. Faut arrêter quoi. Faut à un moment donné faut changer quoi. Faut changer de refrain quoi. Faut changer de refrain. Sans déconner. Un de ces jours, je pense que un de ces jours il y en aura plus d'un qui vont pleurer leur mère parce que oh, je me suis fait ban, j'ai perdu ça. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait aussi, mon fils? Ben, je me suis moqué de telle personne. Elle fait pour ta gueule, hein, c'est tout. Hein.
Et j'ai envie de vous dire, celui qui sera ban un de ces quatre, que ça soit sur Facebook, YouTube ou quoi que ce soit, il y en a qui le méritent, hein. Il y en a qui le méritent. Il y en a qui sont ban pour rien, clairement. Il y en a, clairement, il y en a, je peux le dire, il y en a, ils sont ban pour rien, mais il y en a, ils le méritent. Ils le mériteraient de se faire bannir au moins 60 fois. Mais bon, il y en a qui préfèrent, il y en a, ils se font bannir pour rien. Je pense à certains youtubeurs qui ne le méritent pas, et voilà quoi. Mais bon. Mais bon, mais bon. Après tout, qu'est-ce que vous en pensez, d'un petit youtubeur comme moi? Que je fasse mes kills à l'arbalète. Le truc, c'est que l'arbalète, elle est super dure à contrôler. Voilà. Hello. On est encore dans la zone, c'est bien. Il y en a qui se fight, c'est bien. Fightez-vous, moi je me loot hein, pendant ce temps-là. C'est un bot ça. Si clairement je me fais niquer par un bot, il va y avoir souci. Je me pose déjà si je me suis pas déjà fait battre par un bot le premier. Qui m'étonnerait pas non plus. Bon, ils sont où Bon, Rockignol là. Oh les gars! Un ballon qui va atterrir là-bas. Donc la zone va être de ce côté. Alors je sais, il commence à faire noir. J'ai commencé la vidéo, il faisait bon, mais le soleil il tombe, le soleil. Attendez-moi, j'arrive les gars. Ça tire où, ça tire où, ça tire où? Bon, ça c'était un bot. C'est même sûr et certain que c'était un bot. Parce que vu comment il a tiré et puis qu'il m'a relâché après. C'est dommage quoi que ça soit des bots. Voilà, encore un.
Viens là. T'es du genre casse-couille à te barrer, et puis après tu reviens pour me. Non mais oh. Pépé mémé ou quoi, toi? Putain, je crois bien que c'est 10 fois en plus à l'arbalète. Bon, c'est vrai que je joue pas trop en ce moment. Allez hop. Le ballon. Le balloum. Plus la zone va revenir là. Ah. Hey, je bouge pas. Si t'arrives pas à viser, c'est que t'es un bot. Ouais, t'es un bot. T'es pas sérieux là comme bot là. Sérieusement, le bot, il a juste fait. Et puis il s'est barré, genre en mode posé pépère. Hop là. Ah, ça a été. C'était activé là. Oh, c'est des bots là, c'est pas possible. C'est trop facile. Je suis désolé, mais clairement, s'il y a des joueurs, s'il y a des joueurs dans le tas que j'ai tué, là, je suis désolé, mais là, c'est capacité bot là que j'ai tué. Hein. Je suis désolé. Sans déconner, il y a vraiment de moins en moins de personnes en fait sur Fortnite, c'est ouf. Pourtant, alors je sais pas, après je sais pas, mais j'ai pas les noms en tête, mais pourtant il y a l'air d'y avoir des joueurs, des vrais joueurs, mais il y a l'autre là avec son sniper de merde. Ah, là il y a un joueur. L'autre avec son sniper de merde là. Il est où? Putain, mais sérieusement, il était où ce fumier là? Jouer cache-cache là?
Sans déconner, ça c'est pareil, ça, parce que vous vous foutez de la gueule des gens, mais c'est pareil, vous êtes des joueurs cancer, ceux qui campent comme ça, là. Regardez-moi ça, là, il fait sa base. Regardez-moi ça, là. À la place d'aller au fight. Putain, sérieusement. Il y en a qui préfèrent faire leurs défis, vous le savez, ça? Puis après, vous vous plaignez qu'il y en a de moins en moins qui jouent. Parce qu'il y en a qui vont directement en XP bot, qu'ils arrivent à faire des XP bot. Et il faut comprendre aussi. Regardez-moi ces campeurs, là. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Hein, je me suis quand même bien amusé. Je pense que les premières personnes que j'avais là, que j'ai tuées, clairement, c'était des bots. Il n'y a pas à tortiller. Je pense que là, c'était clairement des bots. Ouais, clairement, après, plaignez-vous pas sur Fortnite. Ouais, il y a moins de monde. Ouais, machin, ça coûte cher ou quoi que ce soit. C'est sûr que les skins coûtent super cher. Ça, c'est un truc, ils pourraient faire. Pourrait faire quand même des fleurs pour les personnes qui font depuis un moment sur Fortnite ou quoi que ce soit. Bon, ça serait peut-être de l'injustice pour certains. Mais clairement, quand je vois que le pass de combat et puis que maintenant ils rajoutent des trucs, regardez-moi ça. On a quand même un skin, donc The Flash, bon. Voilà, c'est un super héros. Bon, on peut se dire que voilà, allez, 220. 2200 V-Bucks, ça fait quand même pas mal. Déjà 2000 V-Bucks, c'est déjà pas mal. Et quand on calcule déjà le tout, on se dit que l'image est gratos. Parce que regardez, 1500 plus 4000 plus 1200, ça fait pas 2200 V-Bucks quand on prend les trucs à côté. Donc c'est clairement, voilà, c'est du genre, vas-y, tu prends ça et puis basta. Puis c'est pareil, il y a des skins, ça fait des années ils les ressortent, mais c'est toujours aussi cher. À un moment donné, il n'y aura plus personne qui les achèteront, mais il y aura toujours des pigeons, c'est ça le problème. Et ça, c'est vraiment dégueulasse pour les joueurs. Moi, je vois ce skin-là, tiens, là, rien que Archange, il est sorti rien que pour la saison dernière, il est sorti au moins 3 fois. Et vous voyez, il a 2000 V-Bucks et il pourrait pas être à 1500, non? Pour cette saison. Et puis, il sera toujours à 2000 V-Bucks, c'est parce que c'est un légendaire. Et on va me dire, ouais, mais c'est normal. Bah non, c'est pas normal. C'est vrai que la carte bleue, à un moment donné, c'est peut-être intelligent, mais va falloir peut-être penser un peu à l'argent, quoi. Regardez-moi ça. Il y a des danses. Pareil, les danses. Les danses. Pareil, Tron. Tron 1500. Bon, encore, celui-là peut être sympa. Encore, il a plusieurs skins. On peut se dire que, voilà. C'est pareil. C'est 1500 le skin, plus 800 la moto. Super quoi, c'est un peu dégueulasse quoi, j'ai envie de vous dire, quoi, c'est et c'est tout le temps la même chose quoi, c'est des skins qui sortiront, qui ressortiront et qui seront aussi, toujours aussi chers et ils ont toujours pas compris qu'un de ces jours les gens ne viendront plus sur Fortnite parce qu'il y aura d'autres jeux et c'est pour ça que maintenant bah, les gens font du bot donc voilà bon. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, hein. Bon, même si j'ai fait quelques critiques ou quoi que ce soit, mais c'est pour ça que je vais de moins en moins sur Fortnite et que je fais moi aussi de l'XP bot, clairement je le fais. Mais là, c'est vrai que là, pour le mode solo, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bots, je trouve. Il y a quand même pas mal de bots. Il n'y a plus trop de joueurs, si on regarde bien. Et les seuls joueurs qui jouent, c'est les campeurs. C'est du genre, je te fais une tourelle et puis j'attends que tu arrives. Tu peux même plus les viser, tu peux même pas faire tes défis. Moi, je fais mes défis gentiment, hein, clairement. Voilà, je fais mes défis gentiment. Clairement, je ne paye même plus mes skins parce que clairement, moi maintenant j'ai le pass, j'ai le sauver le monde, donc sauver le monde tous les fins de semaine, toutes les fins de semaine, donc tous les fins de 7 jours, j'ai des V-Bucks. Donc c'est entre 150 et 800 V-Bucks par semaine. Donc, quand on se dit qu'on a 800 V-Bucks dans une semaine, t'as fait ton total, quoi, même si tu joues pas. Et clairement, bah, tu gagnes 800 V-Bucks, t'es tranquille, tu peux te repayer ton pass de combat, quoi. Et c'est ce que je fais. Je mets même plus, mais moi, je mets même pas ma carte. Parce que ce jeu est trop cher. Est trop cher. C'est tout.
Bon, allez, on arrête les blablas. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, partager et à mettre la cloche. Et demain, vidéo sur The Crew, sur la suite que j'ai déjà tournée, sur le Lie Soumis. Allez, à la prochaine, les gens.